Donc salut à toutes et à tous, c'est Breska et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons attaquer cette ville là. C'est la ville de Ponere, je crois, si je me trompe pas. Ouais, Ponere. Ou Ponereux. Mais c'est plus stylé Ponere. Alors on va tout de suite y aller. Et on va aller attaquer directement le commissariat. C'est là le plus dur. Alors, je pense. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est directement appeler les rebelles. Comme ça, là. Comme ça, les rebelles, ils nous aident. Voilà, hop, c'était mort. J'en suis une grenade là-dedans. Alors ça, c'est des rebelles qui nous aident, hein. Ils nous foncent dedans avec un pacte. Carrément. Oh, c'est rebelle, hein. Les rebelles, c'est censé être mis en... celui-là, c'est fou. On a la moitié des réservoirs, il en reste encore deux. Putain, ils arrivent par milliers là-dedans. C'est un sac de partout et c'est ça qu'on aime de toute façon. Alors je sais pas si on aura le temps en 15 minutes de faire tout ça, parce que je rappelle que je peux prendre que des vidéos de 15 minutes sur PS4. Oui, c'est dommage, je sais. C'est qui nous tient encore dessus, c'est toi. Meurs. Allez. On marche 205 générateurs, je crois que tu as vu. Oh putain. Tu es prendre tout le temps entre les générateurs et les stations. C'est pas possible. On pirate. C'est bon, c'est terminé. Il faut activer ça pour appeler les rebelles, c'est parfait. J'espère qu'il ne faut pas nous foncer dedans cette fois-ci. C'est bon. Oh, on a de la boue sur nous. On va hacker ça. On est déjà à 2 minutes de vidéo. Ça va vite. Et parce que je m'amuse aussi. Je m'amuse. C'est le principal. J'espère que vous aussi vous aurez aimé quoi. Je vais aimer. Je croyais qu'il allait appeler ses renforts. Athée. On a besoin de soutien. Non, t'auras pas besoin de soutien. Ah, il y a des unités. Renforts en route. Bon, on va tout de suite rusher les objectifs parce que sinon on va y passer la journée. Comme je dis la journée. Attention à toutes les unités. Ah, on voit le personnage. Hop. Ça va le faire. Oh, putain, c'est trop loin. Projecteur. Ah non, j'ai cru que c'était méchant. Mais non, t'es gentil, t'es gentil. Je vais pas te tuer en fait. Parce que bah, c'est froid. C'est pas quelqu'un. Non, ça va être très fort. Toi non plus. On va défoncer la panneau de propagande. Je sais pas s'il y en a plus. Il y en a deux. Il y en a deux. On attaque la cible. À toutes les unités, rejoignez les coordonnées suivantes. Alors dites-moi si vous voulez que je continue ces vidéos sur The Score 3. Fallout 4, il est bien. Oh ouais, il est bien, j'aime bien. J'aime bien celui-là, 4.
Oh, ça va, on aura le temps, il nous reste pas beaucoup de choses, on peut prendre notre temps, on peut bien parler. Voilà quoi. Est-ce que là-bas il y a un truc, ça fait partie de la ville là-bas ou comment ça se passe? Je sais pas. On va pas y aller pour le moment, la statue elle est là. Voilà. Fin de la recherche, retournez à vos postes. Tout de suite aller la défoncer. Avec notre truc, trop bien. Statue détruite. C'est bon. J'ai défoncé leur bateau. Violence de ce truc. Tu peux viser, je sais pas combien de trucs à la fois. Le véhicule. Les trucs à détruire. Il nous reste qu'un panneau et puis c'était allé très vite. Hein. Donc, si je fais ça pour chacune des villes que je libère, ben, on n'a pas fini. Il nous reste qu'un panneau, il est là. On va y aller en une chute. Alors on est à 6 minutes 14 de vidéo. On aura peut-être le temps. On va aller hisser le drapeau vite fait. On aura peut-être le temps de faire une autre ville. Enfin, je sais pas, mais pas très loin comme l'autre ville. Elle est qu'à 3 km d'ici. Oui, 3 km c'est pas beaucoup. Hop. Et on est. Oui. On a réussi. Et les petits feux d'artifice qui font toujours plaisir sur le côté. Ah, oh, ça c'est bien. Vive la révolution. 2 zones sur 7. Je vais habiter libéré. Il faut qu'on aille tout là-haut. Ah, je sais pas si on aura le temps. On va essayer. On va essayer. Pas loin. Bonjour mes très chers amis, j'ai de bonnes nouvelles. Ponere a été libéré par la rébellion et Rico Rodriguez. Rico, si tu m'entends, on t'est vraiment reconnaissant. Je continue de te battre. Alors là, la dame, elle était en train de nous parler pour dire ouais, c'est super, tu as libéré une ville. Nous sommes tous fiers de toi. Comme ça. On est à 7 minutes 36. Ah ouais, je suis content parce que si j'ai pas le temps de vous dire au revoir, ça fait pas un bon youtubeur quoi. Ça peut pas le faire. Oh bah, on va libérer cette ville. Hein. Il y a deux trucs à faire, un projecteur, un haut-parleur. Ah ouais, il y en a quand même deux. Hop, on va monter sur les toits parce que c'est plus simple. Les bateaux sont en route vers votre position. Et il y a un rond-point aussi, pourquoi pas. Voilà. Et monte pas sur la voiture. Les forces navales sont en chemin pour vous apporter du renfort. Oh non, la dame, elle s'est fait tuer. Haut-parleur. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je pense que ça fera quand même une petite vidéo. Et puis elle était sympathique. On va essayer le drapeau. Vous voyez, là je rush. Hein. Je m'attarde pas sur les ennemis comme ça. Ah ouais, ils sont super sympas en fait. Les balles, on ramasse les balles. Ah bah bien, t'as essayé de marcher, de monter les marches avec ton 4x4 toi. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait ? Dispersez-vous et cherchez-le. Regarde, et aussi je voulais foutre. Pouh ! Ça c'est super puissant. Il y a une attaque Pokémon. Regarde, pouh ! C'est pas l'attaque de Pikachu. Alors toi, tu vas passer un sac. Oh, bon, voilà, là, je me suis attardé sur les ennemis. Je ne suis pas un attardé, je me suis attardé sur les ennemis.
Voilà. On fait toujours un truc de plus. Vico Paltez. Il n'y a rien dans cette ville, c'était juste pour s'éclater, quoi. Voilà. Bon, c'était super. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était Bresca et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez.